Bonjour, comment vous allez? Vous allez bien? Ce matin, je suis venu devant les génies pour vous expliquer, pour vous détailler comment le portefeuille magique, le porte-monnaie magique, bidou magique, ça fonctionne. Je vais vous donner tous les secrets. Je ne suis pas ici pour vous faire une démonstration, non. Je suis ici pour vous donner tous les secrets du porte-monnaie magique et ses conditions, ses conséquences, tous les totems, tout. Vous voyez, ce matin, comme nous sommes, nous venons de rentrer dans la nouvelle année. Tout le monde, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Le porte-monnaie magique, là, a trois conditions. Et si on ne respecte pas là, les conséquences, là, sont là aussi. Je vais vous expliquer tout. Vous voyez, c'est l'argent. Tout ça, c'est l'argent des génies. Il y a beaucoup de gens, ils font des montages, des vidéos, et font les vidéos. Si vous voyez bien, ils coupent les vidéos, mettent l'argent dans le portefeuille, fait sortir pour dire que oui, c'est le portefeuille. Non. Si vous voyez, moi, mes démonstrations là, il y a les jours. Si moi, je vais faire une démonstration pour vous, il y a les jours. Le portefeuille magique est là maintenant, ça produit bien l'argent. Et pour le faire, c'est l'argent, vous voyez, c'est les billets de banque. Il y a d'autres personnes, je les fais ici, et ça produit ici, je les envoie. Parce qu'il a peur que l'argent va être faux billet et autres, mais ce n'est pas ça. L'argent va sortir, si tu vérifies les numéros, tout, tu vas voir que ce ne sont pas les mêmes numéros. Les numéros changent. Comme l'argent du banque, ce n'est pas que tu vas voir les mêmes numéros sur le même billet, non. Et l'argent billet que tu as déposé dedans, c'est ça qui va, ça va produire. Si tu déposes un billet de 10 000 dedans, ça va produire en 10 000. Si tu déposes un billet de dollars, euros, tout dedans, c'est ça que ça va produire pour toi. Et ça produit, ça dépend le jour où on fait les démonstrations. Et le jour même que moi je vais faire portefeuille, ça dépend, c'est pas tous les jours je fais non, c'est pas tous les jours je fais travail de bidou, non. Je fais travail de l'argent, il a son jour. Et si je fais ça, je te donne, je t'explique toutes les conditions, les conséquences. D'abord, les conditions que une portefeuille, si tu commences par utiliser, ça va produire bien de l'argent pour toi. Il y a trois conditions. Tu ne vas pas porter habit couleur rouge. Les mardis, tu ne vas pas faire l'amour. Chaque fin de semaine, tu m'envoies 50 000. Moi, je vais utiliser cet argent pour faire une routière ici. Et le portefeuille produit l'argent jusqu'à 1 million. 1 million, ça produit 100 000, 200 000, 300 000, 1 million. Si ça produit plus que 1 million, ça, ce n'est plus une portefeuille. Ça, on appelle ça canari, valise. Et le portefeuille là, il y a deux types de portefeuille. Il y a d'autres portefeuilles, ça produit jusqu'à 5 millions. Et il y a d'autres produits qui produisent jusqu'à juste 1 million. Vous voyez, tout ça, c'est de l'argent des génies. Tout ça, c'est l'argent des génies. Vous voyez. Rien que des vrais billets du banc. Rien que des vrais billets du banc. Tout ça, c'est pour les génies. Et ça va faire tant ici avant que moi-même je vais prendre ça pour manger. Parce que j'ai fait pour les gens. Ils m'ont donné bénéficié. Ils m'ont donné juste pour me remercier. Ça, c'est rien. Et vous voyez bien, je suis là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui posent beaucoup de questions sur le bédou. Mais après avoir regardé cette vidéo, vous allez comprendre bien. Il n'y a rien dedans. Mais si je fais ce portefeuille, je t'envoie, je vais déposer trois colis dedans. Il y a trois colis sur ça. Je vais déposer trois colis. Si ça va produire 300 000, vous voyez. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Elles posent beaucoup, beaucoup de la question. Beaucoup. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des génies. Ce génie-là, il va partir dans les banques, dans les grands marchés, pour venir déposer l'argent dans le portefeuille. Et chaque matin, quand toi, tu te réveilles, tu ouvres le portefeuille, tu vois l'argent dedans. Vous avez compris? Chaque matin, quand toi, tu prends le portefeuille, tu ouvres, tu trouves l'argent dedans. Parce que tout le travail, c'est le génie qui va faire. Une fois que ce portefeuille est fait, c'est fini. Le génie va en train de faire le travail tous les jours. Toi, tu vas en train de gagner l'argent seulement. Tous les jours que toi, tu te lèves, tu prends le bédou, tu prends l'argent dedans. Mais les conditions, si tu ne respectes pas, ça ne va plus jamais produire l'argent. Et là, tu dois vite m'appeler. Si tu ne m'appelles pas là, l'argent que ça a déjà produit pour toi, là, tu vas commencer par dépenser, avoir les petits problèmes jusqu'à quand tout va finir. Mais si tu m'as dit vite, il y a des rituels qu'on va faire.
Et je vais faire tout ici et ça va continuer de produire pour toi. Il y a d'autres personnes, ils ne savent pas. Ils croient que le portefeuille là, on va tuer des gens pour avoir sang humain, pour faire des rituels, quelqu'un va mourir. Non, il n'y a pas ce genre de rituel chez moi beaucoup. Vous me comprenez? Travail de retour d'infection, chance, avoir l'argent, chance pour trouver un bon travail, pour avoir un bon mari, pour que votre couple soit heureux. Contactez-moi seulement sur WhatsApp. Mettre beaucoup. 229 69 08 46 41. Ne vous inquiétez même pas. Si quelqu'un m'a contacté, si je l'explique, s'il n'est pas d'accord, il peut aller ailleurs. Mais je suis sûr que s'il fait le tour là, il va encore revenir. Parce que c'est pas chance. Si quelqu'un a eu de la chance là, me contacter, moi je vais faire le bédou là. C'est fini. Lui, il a eu la chance. J'ai fait ça à beaucoup de personnes. Et ce bédou, tu dois respecter ça. Personne ne va pas trouver ça que toi. Donc si je te donne, même si vous êtes trois, vous voulez l'utiliser, c'est chez une seule personne, ça va rester. Quelqu'un de confiance. Et si l'argent sort, lui, il fait sortir l'argent. Il vous voit et vous partagez. Et c'est possible, vous pouvez louer une chambre, déposer dedans, fermer. Et chaque matin, vous venez là, vous prenez, vous ouvrez, l'argent sort, vous déposez à sa place, vous prenez vos argent partagé. Parce que là, tu fais ça deux, trois personnes sont ensemble pour faire une seule. Et je le fais tout, 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 tout. Ça, moi, je n'ai pas peur de faire ça. C'est mon travail. Donc, c'est vous qui allez avoir la confiance. Et de ne pas douter. Vous voyez, ce bague. Si je fais portefeuille, je dépose ce bague sur ça. Forcé. C'est à la base de ce bague que le portefeuille produit l'argent. C'est ce bague qui est dans ta main qui va attirer l'argent. Venir chez toi. Et l'argent vient, il va rester dans le portefeuille. C'est toi tout à l'heure. Tu vas ouvrir ton portefeuille et ramasser ton argent. Tout le monde à qui j'ai fait ce portefeuille, s'il ouvre là, il trouve ça dedans. Vous voyez le colis? Le colis là, c'est grâce à ça. Ça produit l'argent, ça reste toujours dans le portefeuille. Tu le laisses toujours dedans. Si ton portefeuille va produire 1 million, tu vas trouver au moins 10 colis dedans. Si ça va produire 100 000, tu vas trouver une seule colis dedans. 200 000, 300 000, ainsi de suite. Et avant de faire, moi je consulte tout et je demande la décision des génies. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient l'argent. Et s'ils m'envoient l'argent comme ça, avant que je démarre le travail, je les appelle. Et je leur dis, s'il n'a pas la confiance, si je consulte les génies ont refusé, je leur renvoie l'argent. Et je leur dis, maintenant, avant de m'envoyer l'argent, il faut encore payer les bougies, il faut faire certaines choses chez toi, il faut faire certaines prières. Et tu fais tout là-bas. Parce que c'est grâce à ce colis qui est dedans, c'est grâce à ça que ça va produire. Si c'est un colis, ou bien deux, trois, n'importe quel colis qui est dans le portefeuille, c'est ça que là, ça va produire. Un là, ça fait 100 000. Tu vois, un là, ça fait 100 000. Deux, 200 000. Trois, 300 000. Quatre, 400 000. Ainsi de suite, vous comprenez. Et juste, même si tu veux, vous voulez, ça va produire 1 million. Pour 500 000, tu vas, toi-même, tu vas compter combien de colis ça va rester dedans. Et là, tu ne vas plus jamais, tu ne vas jamais faire sortir ces colis dans le portefeuille. Si je fais quelque chose, je fais pour 1 million pour toi, et un colis est perdu, ce n'est pas que ça va produire 900 000, ça ne va pas produire. Et là, tu dois chercher le colis, ou bien tu vas m'appeler. Et je suis obligé de faire le rituel ici, et t'envoyer un colis encore. Et tu vas remettre ça à sa place. Et là, ça va continuer de produire. Ça va continuer, continuer, continuer. Rien, rien. Toutes les choses là, c'est à respecter. Il y a certaines personnes, ils prennent le. C'est mon frère qui a vu ça. Non, c'est ma femme qui a vu ça. Ce n'est pas bon. Tu dois faire cacher ça. Tu dois faire cacher ça. Ce n'est pas quelque chose que tu vas garder et tu vas aller payer quelque part. Tu fais sortir de l'argent dedans, payer. Non, non. Tu dois respecter. Et ça va en train de produire. Chaque matin, tu vas, tu ouvres, tu prends ton argent, tu déposes. Tu me comprends? Tu déposes. Chaque matin, chaque matin, chaque matin, chaque fin de semaine, tu m'envoies 50 000. Les 50 000, j'utilise ça pour faire un rituel ici, pour remercier les génies. Parce que les génies vont se déplacer, aller dans les banques, aller dans les grands marchés. Tu vois comment l'argent circule dans les machines, dans les grandes banques de ton pays. Hein? De ton pays. Et non d'un autre pays, non. Le pays dont j'ai envoyé le pédou, c'est dans ce pays-là
Les jeunes vont aller dans les banques, aller voler l'argent, venir.